Le prince Harry a du mal à avaler sa nouvelle position moins importante au sein de la famille royale, a affirmé un commentateur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont participé vendredi au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Bien qu'il soit sixième sur le trône, le prince Harry et son épouse Meghan Markle étaient assis au deuxième rang, derrière le comte et la comtesse de Wessex et leurs enfants et près de leur cousine non active, la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank. De plus, le duc et la duchesse étaient assis à quelques mètres du duc et de la duchesse de Cambridge, du prince de Galles et de Camilla, duchesse de Cornouailles. On pense que la disposition des sièges a été établie conformément à l'ordre hiérarchique. Bien que Harry soit toujours haut placé dans la succession au trône, il n'est plus membre à plein temps du cabinet, ce qui a diminué sa pertinence au sein du cabinet. Et l'auteur royal Ingrid Seward a affirmé que c'était difficile pour le duc, elle a écrit dans The Sun. Devenir un royal de deuxième rang est difficile à avaler pour Harry. Quand il est entré dans la cathédrale avec son élégante épouse Meghan à ses côtés, il avait l'air fatigué. Le prince Harry et Meghan sont arrivés à la cathédrale Saint-Paul en voiture. Là, ils ont été accueillis par la foule avec un mélange de huées et d'acclamations. Le duc et la duchesse ont gardé le sourire tout en étant accueillis par les ecclésiastiques alignés à l'entrée de la cathédrale. Ils se tenaient la main en montant les escaliers et semblaient continuer à sourire jusqu'à ce qu'ils prennent place. Cependant, pendant le service, le duc est apparu, parfois, avec un regard attristé. Après le service, le duc et la duchesse ont été aperçus en train de discuter avec les cousins de Harry, Zara Tyndall et Peter Phillips.